tous, bonjour à toutes, bienvenue sur France 2 pour votre rendez-vous Tout le monde veut prendre sa place. Je suis avec notre championne Isabelle, 3 victoires, 3300 euros. Bonjour Jarry. Ça va Isabelle? Impeccable. Est-ce que monsieur le proviseur vous a autorisé à sécher les cours pour être avec nous tous les midis? Oui, c'est vrai, donc je le remercie. Comment il s'appelle? Il s'appelle monsieur Torset. Donc... Monsieur Torset, un petit bisou monsieur Torset. Je vous laisse aller vous concentrer dans votre loge de championne. Merci. Et il est temps à la maison de commencer tout de suite avec la première manche, les qualifs. Pour jouer avec nous ce midi, merci d'accueillir Jérémy. Bonjour. Véronique. Arnaud. Marie. Bonjour. Évra. Et enfin, Sarah. Comment ça va? Ça va, merci. On est motivé? Ouais. Toujours. je vous sens très, très à l'écoute. Oui. Ça a été, vous avez fait connaissance en loge? Oui. Vous savez déjà parmi vous quels sont les éléments forts? Non. Arnaud, une petite idée de qui peut aller en finale? Il y a un retraité. Les retraités, ça fait peur. Ils ont le temps pour réviser le thème. D'accord. Ils ont le temps pour réviser le thème. Vous en pensez quoi, Évrard? Il a raison. Il a raison. Bon, vous savez quoi, on a tous envie de le savoir aussi à la maison. Commençons tout de suite avec la question pour tous. Carré, 3 points. Dans quelle langue les Français sont-ils appelés oui-oui? Le mandarin, le turc, le maori, le breton. Jérémy, Véronique, Évrard, vous avez répondu le maori, Arnaud le breton, et enfin Marie-Sara le mandarin. Vous venez de nous dire, Arnaud, il y a quelques instants que les retraités avaient l'habitude d'avoir les bonnes réponses. Et c'est vrai, c'est le maori. Bravo Évrard, bravo Véronique, bravo Jérémy. Pourquoi ce surnom? Parce que les Français disaient souvent oui-oui lors de leur première rencontre avec les maoris. Vous le saviez, Évrard? Pas du tout. Au pif? À l'instinct, comme ça. Le talent? Ben voilà. Je ne vais pas le dire. Et j'accueille pour commencer Jérémy. Ça va Jérémy? Ça va. Marié? Oui. Une fille? Oui. Qui s'appelle? Rose. On l'embrasse. Mm-hmm. Monsieur, je sais tout. Un petit peu. C'est vrai? Oui. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Vous avez enregistré une émission, peut-être? Ok. C'est vrai. Vous chantez comme une casserole, mais vous adorez le karaoké. Ouais, je trouve que c'est des soirées qui sont super fun. Ouais. Une chanson en particulier dans le karaoké qui donne envie de vivre pour vous?